Subscribe to our channel. Le 11 septembre 2023, l'agence antidopage italienne annonçait que Paul Pogba avait été testé positif à la substance dopante DHEA lors d'un match de Serie A avec la Juventus. Malgré les démentis du joueur et de son entourage et leur demande de contre-expertise, le tribunal antidopage italien a confirmé les résultats et le Français a été suspendu pour 4 ans en février dernier. Une dernière information venue d'Angleterre affirme que le TAS aurait permis Paul Pogba de retrouver les terrains dès mars prochain. Paul Pogba pourrait retrouver la compétition dès mars 2025. Selon le Daily Mail, il pourrait même reprendre l'entraînement avec la Juve dès janvier 2025.